nom est Lolita Dandois. Je suis journaliste et fondatrice du blog Fashion is Everywhere. Je suis venue ici aujourd'hui parce que j'adore la mode. Puis chaque fois que j'ai l'opportunité de voir de la mode, je suis là. J'ai aussi la possibilité de pouvoir voir ce qui se fait. Mais malheureusement, depuis qu'on a perdu notre semaine de mode de Montréal, c'est rare qu'on voit ce qui se fait chez nous par nos talents locaux. Donc je trouvais qu'ici, c'était une super belle opportunité de voir ce qui s'en venait. J'ai choisi ce manteau parce que j'adore le fait qu'il y ait deux textures aussi différentes. J'adore le fait qu'elle soit réversible. Puis j'adore la couleur aussi. Je trouve que la couleur est super belle. Donc quelque chose que j'aurais envie de porter à tous les jours. Vraiment beau. Ça, c'est un autre coup de cœur que j'ai choisi aujourd'hui parce que je le trouvais vraiment différent. Puis que quand on va le porter, tout le monde va nous remarquer. J'adore comment ça tombe. C'est tellement chic. Méga coup de cœur pour moi. Mon look of the day, c'était un look qui était complètement inspiré par la Russie. Puis j'aimais vraiment l'idée de contraster un chapeau blanc, une toque blanche en fourrure avec un ensemble tout noir. Puis c'était vraiment important aussi pour moi d'avoir une robe qui était longue, longueur midi, parce que ça rappelle aussi cette époque. Puis en plus, je suis tombée sur une mannequin avec des longs cheveux blonds magnifiques. Puis je suis vraiment très contente du résultat.